Bonjour, je suis la docteure Carpentier. Je suis ici à mon clinique. Je viens de finir une journée au clinique et maintenant je veux répondre aux questions à propos du colite ulcératif. OK, question numéro 1. Qu'est-ce que la colite ulcéreuse? OK, la colite ulcéreuse est une maladie dans l'intestin gros. Ça peut causer des ulcères. Et à cause des ulcères, on peut avoir la diarrhée, la douleur abdominale et le sangement rectal. On ne sait pas exactement la cause de colite ulcéreuse. Il y a des facteurs environnementaux, les facteurs génétiques et avec le microbiome. Question numéro 2. Doit-on présenter tous les symptômes pour avoir la colite ulcéreuse? Non, il y a beaucoup de symptômes. Il y a la diarrhée, le sangement rectal, la douleur abdominale, la perte de poids par exemple. Et parfois, les symptômes peuvent commencer un peu à peu ou soudainement. Question numéro 3. À quel point la colite ulcéreuse affecte-t-elle la vie quotidienne? Alors, vivre avec la colite ulcéreuse, il y a des défis et aussi ça peut être épuisant. On peut avoir les complications graves. Alors, on travaille avec le médecin pour trouver les médicaments qui peuvent guérir l'inflammation du côlon. Parfois, il faut opérer pour améliorer la qualité de la vie, mais il y a des traitements qui existent. OK, question numéro 4. Comment diagnose-t-on la colite ulcéreuse? Alors, il n'y a pas un seul test pour diagnostiquer la colite ulcéreuse. On peut avoir parlé avec le médecin. On veut avoir un examen physique. On peut avoir des prises de sang et aussi une colonoscopie. Et tout ça comprend l'évaluation et après, le médecin va décider si la maladie est la colite ulcéreuse ou non. OK, question numéro 5. Quels sont les traitements disponibles contre la colite ulcéreuse? Alors, premièrement, c'est une bonne idée d'adopter un mode de vie sain. Aussi, les médecins peuvent suggérer les médicaments. Et puis, parfois, dans les cas un peu plus graves ou quand il y a des complications, quelques patients doivent être opérés. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à communiquer avec votre fournisseur de soins pour du soutien et aussi pour le conseil. Avec leur aide, vous pouvez guérir la colite ulcérative et améliorer la qualité de la vie.